Du striptease de Pédale Douce au palais du facteur cheval, en passant par le banc des accusés de Lelouch et le muguet de Becker, il est l'avocat des gens de peu qui ont de l'épaisseur. Poète, danseur, il promène ses yeux clairs de l'écran à la scène avec finesse, talent et émotion. Au théâtre, il parle à un homme qui ne tient pas en place. Jacques Gamblin, bienvenue dans la GGTV. Merci réciproquement. C'est les deux, oui, c'est lui, parce qu'il est sur l'eau. Quand on est sur l'eau, on n'est jamais au même endroit. On est toujours en mouvement, mais enfin, évidemment, quand on écrit à quelqu'un ou qu'on parle à quelqu'un, il y a toujours un endroit où on se parle à soi-même, où on s'écrit à soi-même, où on se... Et je suis aussi quelqu'un qui ne tient pas beaucoup en place, en effet. J'aime le mouvement, oui. Que je lui explique. On ne peut pas raconter un voyage. C'est une autre solitude, celle de ne pouvoir raconter. Eh bien, cette fausse conversation est elle aussi un racontable. Nous fabriquons du secret. Allez, oui, c'est bien, voilà, oui, ha. Allez, respire profond dans les coups de bourre. Quel a été le déclic qui vous a poussé à transformer ces échanges intimes dans un spectacle? Bah, y a deux choses. D'abord, quand j'ai relu tous ces mails un an et demi après, évidemment, ils n'étaient pas du tout destinés à faire un spectacle. Enfin, c'était vraiment de l'ordre d'une correspondance privée, une conversation privée. Et puis quand j'ai relu tout ça, je me suis dit, ouais, quelle belle histoire d'amitié, rare. Et j'ai envie de transmettre ça à un public. Il y a un décor, il y a de la vidéo, on est en immersion dans quelque chose. Les lettres sont certaines lues, mais la plupart sont interprétées. Enfin, bon, ça se passe là, au présent du plateau. Et en effet, il se passe des événements qui fait qu'on a des surprises. Et plus ça va, et effectivement, plus je dis des choses personnelles et intimes. Et c'est une main tendue, enfin en tout cas c'est comme ça qu'il l'a interprétée. Et il l'a prise, cette main. En fait, j'aime naviguer et voler. Je ne vole que dans mes rêves, enfin. J'ai un projet de voler un peu plus longtemps que dans un rêve avec un ami qui s'appelle Denis Verchère et qui est un grand parapentiste. Mais en fait, ce que je ressens à ces moments-là, c'est le fait d'être porté. Quand je monte sur un bateau, et hop, on largue les amarres, on quitte le quai et cette notion de partir, elle existe très vite. Et sur l'air, c'est pareil, c'est cette idée d'être porté. Je sais pas moi si c'est... psychanalytiquement, je ne sais pas, des regrets de ne pas être encore dans le vent de ma mère, je n'en sais rien, mais en tout cas, j'aime me sentir porté. En fait, je ne me sens pas porté par la Terre. La Terre m'enfonce plus qu'elle me porte. Qu'est-ce qui vous apporte le plus de joie? Ça va être une chose toute simple que je vais répondre, ça va être de partir vers 10h30, 11h de chez moi et d'aller courir dans la nature, au bord de l'eau, de courir 4-5 km, de me foutre à poil, et hop, de me faire un plongeon, d'être seul dans l'eau. Ça, c'est des bonheurs du quotidien. Et puis l'amour, qui se porte bien. Et puis autrement, c'est corrélation de plusieurs choses en ce moment. C'est en effet la réussite du spectacle, le fait que le facteur cheval n'est pas parti aux oubliettes dès la première semaine. Tout va bien au palais du fou? Mais pas fou mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village, tout le monde! Cette construction est admirable, j'ai jamais rien vu de tel. Vous êtes dessus depuis combien de temps? 13 ans. Joseph! Il faut qu'il se dise cette folie. J'ai cru que j'allais la perdre.
Je dois finir. Tu vas nous faire mourir. Alice! Tu vas guérir, Alice. Me laisse pas tout seul. Je vous aime, Josiane et Josette.